Je vais vous expliquer comment s'est constitué le français. Cette langue est formée petit à petit, elle est le produit de l'histoire de ce pays. Les Gaulois qui parlaient une langue celtique ont été soumis par les Romains. Comme ces derniers parlaient le latin, les Gaulois ont fini par le parler plus ou moins. Par la suite, le pays a été envahi par les Francs, qui parlaient une langue germanique. Le français va se constituer par transformation du latin. Il s'enrichira au fur et à mesure par l'emprunt à d'autres langues pour devenir la langue que nous parlons et écrivons actuellement. Le français se parle également dans une partie de la Belgique, du Canada, de la Suisse, dans les départements et territoires français d'outre-mer. Il est également parlé plus ou moins dans les anciennes colonies. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.